Salut à tous, on se retrouve dans la map Skyblock Reload juste après l'épisode précédent. C'est que j'étais en train de construire ma plateforme servant à faire pousser des arbres. Avant de continuer, j'ai tout de suite allé voir la recette pour fabriquer des torches, vu que ça va être une étape importante pour ma survie. Alors, les torches... Arcane, string, ah, la bucket, une torch, une planche et un stick. Et là, c'est que des torches. Ok, très bien. Faudra que je fasse un atterrissage un peu plus soft. Donc, j'ai plus de bois brut. Je vais piquer dans ma réserve ici. Et donc c'est comme ça, une torche, parfait. Est-ce que je laisse les arbres comme ça? J'hésite. Je pourrais le mettre plus bas, par contre après il faut que je trouve un moyen de faire l'éclairage. Ouais, je vais le mettre plus bas. Donc c'était 1, 2, 3, c'était bien ici. On enlève ça. On met le bloc. Voilà, comme ça, c'est à peu près à hauteur de sol. Là, j'ai un doute en fait. Si je le mets comme ça, je crois que je pourrais pas passer sous les feuillages. Du coup, je vais rester sur ce schéma ici, même si c'est un petit peu haut. Je mettrai des escaliers comme j'ai fait ici. Et du coup, je peux mettre un éclairage ici, de cette manière-là. Alors je vais planter mes saplings. Ici je vais pas encore le mettre, il y a trop de vide. Et là j'avais 3 de terre, donc je pourrais en faire un... Là j'en ai un quatrième ici. Est-ce que je fais... Oui, je vais faire encore un... Oups. Un de terre en plus. Ah, c'est pas un... Shapeless crafting. Il faut mettre dans l'ordre. Voilà, et avec ça, je vais faire des torches. Comme ça, j'ai de quoi éclairer. Ça fait pas beaucoup de torches à la fois, par contre. Une torche ici, une torche ici et une ici. Il m'en faut une par bloc de terre, donc j'en aurai encore d'autres à faire après. Alors, plus qu'à attendre que ça pousse. Je vais quand même mettre des saplings sur les blocs ici. De toute façon, le temps qui pousse, ça devrait prendre un petit peu de temps normalement. Donc là, je garde ça en réserve, ça je peux le reposer. Mais pour l'instant, je vais aller voir les autres recettes. J'espère que le temps passe quand on est dans cette zone. J'ai pas vérifié. Alors, lava, ça c'est bon. Les fils, j'en ai pas besoin normalement. Les graines. Comment avoir des graines? La bonne mille, la dirt, une wooden hoe. De quoi il me faudra du bois en masse. Pumpkin seed. Ok, donc voilà. De la bonne mille, des seeds. Je pense que la prochaine étape, ça va être le Water Bucket. Water Bucket Challenge. Aïe. En fait, je suis en train de me dire que c'est pas forcément malin de mettre un arbre ici parce que...
Au moment où c'est qu'il va pousser, il va potentiellement m'empêcher de revenir correctement avec le livre. Je vais plutôt continuer par ici à ma petite plateforme. Et garder la terre ici. Bon, j'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais faire une vidéo par jour Minecraft, mais là vu que je dois attendre que ça pousse, enfin je pourrais. Il me reste combien? Ouais, je peux utiliser un sapling pour faire de la bonne mille, mais autrement si ça pousse pas, je ferai des ellipses. Bon, voilà, au moins celui-là c'est bon. Est-ce que ça va suffire cette taille-là? On verra. C'est bon, ça arrive à pousser. Et ici. Parfait. Par la suite, il faudra que je mette un plafond aussi. Parce que là, les arbres, en fait, ils peuvent être de n'importe quelle taille. Donc je peux me retrouver avec des très grands arbres, ce qui peut être des fois un peu pénible. Alors que si je mets un plafond, je sais plus à quelle hauteur, je vérifierai ça entre deux épisodes. On peut forcer que ce soit des arbres de petite taille. Alors, on va faire 4 torches. Et le reste en plancher. Ah, c'est un petit peu répétitif pour l'instant, c'est vraiment le début, donc je dois vraiment me faire une base minimale pour survivre. Mais par la suite, ça devrait être un peu plus varié. Alors, est-ce que je vais récupérer un sapling? J'espère qu'il n'y avait pas qu'un seul qui tombait de cet arbre. Je vais mettre une torche ici pour l'instant. Comme ça. On peut pas poser sur les coffres, non. J'étais plus sûr. Ouais, j'ai bien l'impression que je peux m'asseoir sur mon sapling. Bon, du coup, je vais. Ah, bon, voilà. Je vais reprendre un peu de bois. Par contre, je vais pas encore détruire cet arbre complètement. Alors, déjà, je remets celui-là. Ah, si je le détruis pas complètement, il va pas commencer à se désagréger. Et donc j'aurai le temps de construire d'abord un peu plus de plancher. Bon, pour l'instant la priorité en fait c'est le plancher proche. Demi-morceau de terre. Voilà, normalement là c'est bon. Je vais remettre une couche en plus. Voilà, a priori, ça devrait aller. Bon, pour l'instant en tout cas, tout se passe plutôt bien. Pas encore de. Pas de mort, pas de moment de stress. Prions pour que ça continue comme ça.
Mais bon. Je peux prier tout ce que je veux. Il y a quand même de fortes chances que qu'il y a un ou deux moments de panique par la suite. Et dès que j'ai terminé cette plateforme, je pense que je vais me fabriquer aussi, commencer à me fabriquer les outils. Pour l'instant, j'ai pas besoin de pioche, même si c'est un des outils qui est demandé dans les succès. Enfin, je vois comment fabriquer de la cobblestone. Je pense que dès que je pourrais fabriquer de la cobblestone, je pourrais commencer à faire des un dallage en cobblestone déjà, ce qui est ça craint pas le feu pour certaines zones. En tout cas, je vais pas faire partout un dallage cobblestone, mais au moins dans quelques zones sélectionnées. Et de faire un générateur avec de la lave. Alors ça me paraît pas mal, je vais mettre une dalle ici. Une dalle ici. Ça, je vais pouvoir terminer de dépiauter cet arbre. Celui-là je crois que c'est bon aussi. Ouais, c'était juste le reste. C'est attaché encore au bloc de l'autre tronc. C'est un peu bizarre la manière dont se comportent les feuillages. Même si ça a été amélioré, c'est encore des fois un peu particulier. Alors on replante directement. Et je vais chercher un peu de terre en plus. Un ici avec une torche. Pas de sapling qui est tombé entre temps. 1, 2, 3, 1 ici. 1, 2, 3, 1 ici. Voilà, comme ça. Il va me manquer 3 morceaux de terre. Ça va être la prochaine étape. Si j'oublie de planter, j'aurais pu profiter des dalles que je viens de prendre pour me fabriquer les escaliers, mais tant pis. Bon, pas grand chose avec cette lune, elle éclaire beaucoup, je trouve. C'est le shader, c'est le Sildur shader. C'est le Vibrant Shader de version extrême. Je l'ai pas personnalisé ni rien. Peut-être que je verrai s'il y a une option pour diminuer la puissance de la lune. Là, je peux les reposer pour l'instant ici. Alors ça, je vais fabriquer des sticks. Ça me servira pour une houe juste après. Ah, et là, par contre, je vais pas. Ouais, ou si, je vais me refaire de la bonne mille. J'en garde un pour les cas d'urgence extrême. Parfait. Il y a des récalcitrants. Bon, ils pousseront tout seuls par la suite. Alors, cet arbre c'est bon, celui-là
ça va vite aller. Je vais me faire une hache directement. Une petite hache en bois. Normalement, c'est bien éclairé, il n'y aura pas de soucis. De toute façon, là, je suis encore assez proche pour qu'il n'y ait pas d'attaque de monstre. Alors, une hache en bois. Une houe. Une épée. Et je vais directement faire ma pioche. Comme ça, j'ai les outils de base. J'ai vu qu'il y a... J'ai cru voir un sapling qui tombait, mais je pense qu'il a peut-être glitché à travers... le décor. Enfin, à travers les feuillages. Ou alors il est tombé tout simplement. Alors ensuite, il me fallait... Ça, je vais le mettre de côté. Il me faut encore 3 terres, donc c'est dire qu'il... Il faut ça, il me faudra 3 saplings. Et 3 planches. C'en est où ici? Un sapling. Je fais des outils, ce serait bien que je les utilise. Voilà. Parfait. Alors c'était... J'oublie à chaque fois l'ordre des éléments. Là, c'était comme ça. Du coup... 1, 2, 3, 1 ici, 1, 2, 3 ici, 1 ici. Là, je vais me faire 2 torches. Il m'en faudrait une troisième. Allez, ça va de toute façon pas être perdu. Ah, et il pleut. Ça faisait longtemps. Et du coup, je peux replanter directement. Mon bois. Peut-être mettre l'épée à proximité. Même si normalement il ne devrait pas y avoir de monstre. Si tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe mal, que je me retrouve pas pris au dépourvu. Est-ce que j'utilise tout? Il me faudrait encore maintenant 3 de bois pour faire un saut. Je vais finir par y arriver. Et là, je vais pouvoir juste vérifier où c'en est. Ok, donc un sapling de plus. Ça remplace celui-là. Une pomme, elle a failli tomber dans le vide. Faut que je termine mes barrières aussi. C'est pas urgent, mais... Et donc j'en étais à faire de la transmutation, donc la dirt en gravel, le gravier en sable, le sable en clay, et normalement le clay en seau. Et par contre c'est pas un seau avec de l'eau en fait. Si je vais vérifier la recette... Bucket, alors water bucket, c'était sapling, sapling. Ah, il fallait quand même un saut, mais au milieu. Donc j'ai bien fait de le faire.
Donc il me faut pas mal de saplings en plus. J'en ai un ici, mais je préfère le laisser. Ah, je commence à avoir faim. D'ailleurs, je commence à avoir faim aussi en vrai. Donc je le garde précieusement. Ça, je peux le ranger aussi. Est-ce que j'ai besoin de faire de la terre en plus pour l'instant? Pas forcément. Je revérifierai juste un peu les recettes. Sans retourner de l'autre côté. Donc, dirt, c'est bon. Bonne mille, c'est bon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Lava bucket, j'en ai pas besoin. Les sites, c'était une ou de la bonne mille et de la dirt. Ok, donc. Je vais fabriquer de la terre en plus. Du premier coup. Fabriquer de la bonne mille. J'en garde une. Alors c'était bonne mille. Ou et dirt. Parfait, voilà. Comme ça j'ai mes graines, je peux les mettre ici. Pendant ce temps, j'ai plein de... Enfin plein. J'ai quelques saplings qui sont arrivés. Il m'en manque encore 4 pour faire le saut d'eau. Et après, il faudra que je fasse une autre plateforme pour ça. Je vais peut-être juste prolonger celle-là. Je ferai peut-être genre cette plateforme aura une annexe qui servira à la culture. Comme ça, après, je ferai une autre plateforme dédiée plus à la forge, on va dire. À tout ce qui concerne aussi la lave. Et une troisième aile, c'est que ce sera par rapport à l'usine à monstres. Et la quatrième, je sais pas s'il y a moyen d'avoir des villageois par la suite. Voilà, alors je vais en profiter. Ah, cool, ça a poussé. Pour mettre mes petits escaliers. Pour replanter. Et on va couper cet arbre qui a aussi de nouveau grandi un peu trop. Alors je vais faire ça dans cette direction là. Oups, pas grave. J'ai fait combien d'ouvertures ici? J'ai mis une passerelle de 3 je crois. 4. 2, 3, 4. Ouais. Donc je vais garder le même modèle. 1, 2, 3, 4. Et ensuite ici. Le début de la nouvelle plateforme, comment est-ce que je vais la faire celle-ci? Donc un champ, je sais plus quelle est la taille d'humidité. Pour un seau, il me semble que c'est du... Je sais plus si c'est 3x3 ou 5x5. Est-ce que j'ai mon téléphone sous la main? Non. Bon, je vais pour l'instant en faire du 5x5. C'est peut-être ça. Puis si c'est pas ça, je corrigerai. Donc ça ferait... On va laisser de nouveau un espace. 1, 2, 3, 4, 5. Un espace et la barrière sera ici. Donc ça fait 1. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Parfait, je me suis pas planté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept.
Il y a un arbre qui pousse. Parfait. Ah là, ça commence à payer. Je commence à avoir une récolte correcte. Par la suite, je pense que je ferai des arbres compacts aussi, en mettant. L'idéal serait que je trouve des Dark Oak, saplings de Dark Oak. Comme ça, je pourrais. Je préfère des grands arbres. Je sais pas s'il y a moyen d'en avoir par la suite. Bon, dans tous les cas, je vais vous laisser par cette belle pluie. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Twitter. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire dans la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.